Salut à tous les amis, c'est Phoenix Gaming, j'espère que vous avez la forme, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls Online, l'épisode 6 de la série. Et ouais, ça faisait super longtemps que j'avais pas tourné sur ce jeu. J'ai décidé tout simplement de reprendre la série pour pouvoir la terminer proprement et de manière assez rapide, parce que j'ai envie d'en commencer une autre. Et du coup je voulais avancer dans cette série là et je voulais pas commencer plusieurs séries. Enfin bref, j'en ai parlé de ma vidéo précédente que je upload ce week-end, donc voilà. Donc là, j'ai pas pu vous montrer, mais il y a eu le prophète là qui est... Pas le prophète, le comment il s'appelle? Attendez, c'est où mes quêtes? C'est le journal, normalement ça va être là-dedans, voilà. Question principale, il y a le prophète, oui c'est le prophète. Le prophète qui est venu me parler pour me dire que j'avais une quête à valider. Donc il faut que j'aille au port, donc allons-y. Donc la dernière fois, je me souviens plus ce qu'on avait fait. Il me semble qu'on avait fait de l'histoire principale, hein. Il me semble. Combien j'ai quoi en stuff du coup? 23 sur 60. Faut peut-être que je... Peut-être que j'aille décrafter tout ça, parce que je crois que j'ai pas dû vider mon stuff. Donc je vais le faire vite fait. Tac tac tac, on va se mettre là. Et au fait, pour ceux qui ont le jeu The Elder Scrolls Online, n'hésitez pas à lire dans les commentaires pour jouer avec moi. Et comment on fait pour... Voilà, démontage. Pour jouer avec moi et puis pour jouer avec moi dans les séries, quoi. Alors, du coup, on a quoi actuellement là? 1060, c'est nul. 1013, c'est nul. Amélioration, comment on fait pour... On peut pas rechercher des trucs? Si, on peut. Ça en fait c'est pour rechercher une sorte d'enchantement, quoi. J'ai rien là. Ouais, donc j'ai déjà 1 sur 1. Ça faut, je peux l'améliorer pour pouvoir faire plusieurs recherches en même temps. Mais ouais, du coup c'est des recherches pour enchanter nos équipements. Donc attendez, je vais juste finir de démonter tout ça. Donc ça c'est nul. Et ça c'est quoi? 1013, ouais, on s'en fiche. Et ça c'est quoi? 1013 aussi. Ok. Ok ok. Voilà. Y'a quoi d'autre que je pourrais, que je dois... Les épées, tiens. Oh putain, j'ai pas tout. Au pire, c'est bon, je les jette et puis voilà. Voilà. Les armures, c'est pareil. Je peux mettre un deuxième anneau, il me semble. Il fait quoi celui-là? 132 en vigueur. Ok, bon, bah c'est toujours prenable. Hein. Allez, passe par-dessus là, tu peux pas, non? On va passer par là. Allez. C'est pas possible, on pouvait avant. Oui, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi. Donc peut-être qu'il y a des trucs que je me souviens plus. J'ai un cheval, il me semble, oui. Voilà. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a posé la question, comment on faisait pour utiliser son cheval. Bah c'est juste H par défaut. Sinon bah il faudrait aller dans les paramètres dans les paramètres des touches, dans la liste des touches que vous pouvez attribuer. Et puis c'est écrit normalement. On est niveau combien? 6, d'accord. Et niveau 6, putain j'ai enlevé mon cheval, d'un coup en s'accroupissant, regardez. Hop, il disparaît d'un coup. Aucune animation. Il faut que je... Alors du coup je me souviens plus trop comment on joue. Enfin quelle touche j'ai bindé et tout pour les sorts, etc. Attends, je vais voir vite fait ça justement. Les compétences... J'ai avec ça. Ah oui, je vois ce que c'est. Ok. Le premier c'est ma sorte de boule de pouvoir, boule magique là, qui fait bien bien mal. D'ailleurs on va essayer. Hop. Ça va, il fait pas trop mal. Bon. Plutôt easy. Bon, bah, y a du loot, hein. Tout ça je prends, ça se revend. Tout est bon à prendre pour loot. Bon, du coup, on continue encore la quête principale. Puff puff puff. Puis après on essaiera d'aller dans d'autres endroits pour pouvoir XP facilement. Putain, lui il est dans la merde lui. Allez, ouf ça. Voilà. On va essayer d'XP dans les autres endroits, dans les nouvelles terres, parce que là on est dans les zones où les quêtes nous rapportent plus forcément beaucoup d'XP. Donc il faudrait qu'on change un peu de zone.
Hein, pour pouvoir XP facilement. Bon, tu charges là? Charge un peu là. Les menus de chargement sont plus longs là. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai galéré à lancer mon jeu là. Les menus de chargement. Voilà, ça y est. Les menus de chargement sont vraiment affreux, hein. Enfin, bref. Il n'y a plus la même musique qu'avant ici, tiens. Salut toi. Alors c'est quoi? Attendez, c'est quoi qui m'a proposé? Il m'a juste demandé de venir, il me semble. Quel plaisir de vous revoir. Oui, qu'est-ce qui se passe? Le destin parle en énigme. Ok, il faut aller retrouver. Dans une... Faites attention dans Il faut aller retrouver l'Iris Titan. C'est là où, si vous vous en souvenez, c'est la meuf là, avec la grosse armure là. Parce qu'elle a été. On a échangé notre place. Non, elle a échangé sa place avec le prophète justement pour le libérer. Donc elle est emprisonnée. Donc là, il va falloir aller la sauver, hein, en quelque sorte. Toujours les menus de chargement. C'est assez relou. Assez relou. Je pense que je vais devoir. Je vais essayer de faire quelque chose au montage. Essayer de couper tout ça. Alors, je vais juste changer ma gameplay, ma sensibilité. Où est-ce que c'est? Caméra, peut-être. Troisième personne, vitesse de rotation, peut-être ça. Ah, mais là, c'est plus assez rapide du coup. Attendez, réglage. Caméra. Attendez, gameplay. C'est où? C'était où? Caméra, là. Là, c'est bon normalement. Ok. Ah merde, j'ai pas bainé mes touches sur ma souris. Hein. Parce que je t'ai habitué à jouer avec ma souris. Parce que j'ai deux touches sur ma souris, je pourrais que je mette mes sorts dessus. J'ai vu, il y avait la quête là, mais je vais voir s'il n'y a pas d'autres mobs à déboîter. Hein. Il y a un espagnol dans le chat, regardez. Clac. Oh merde, il est pas mort. Tiens, meurs. Y'a plus rien ici. Bon, on va aller parler à Iris Titan qui est là-bas. J'arrive, Iris. Alors. Vous alors, on alors, est venu pour te. C'est difficile à décrire. Ok, bon, elle explique. Elle explique qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et qu'on est là pour la sauver. C'est pas un truc qu'on peut fouiller, ça? Si, bien sûr. Ouais, non, c'est nul ça, les trucs comme ça. Les bails comme ça, on s'en fout un peu. Hein. Ouais, donc n'hésitez surtout pas, hein, n'hésitez surtout pas à me demander dans les commentaires si vous voulez jouer avec moi. Ça me ferait super plaisir de pouvoir faire une série avec vous. Ça pourrait être sympa de faire les donjons à plusieurs et tout. Et est-ce que là... Boum. Il y en a partout. On voit pas leur niveau au mob par contre. Il me semblait qu'avant on les voyait, non? Attends, attends, il faut plus que moi, même pas la... Même pas l'iris. Boum. Clac. Voilà. On rentre là-dedans. Nickel. Alors. Sympa quand même les décors. Hein. Apaiser le regret de l'iris. Ah, parce qu'il y a des souvenirs qui sont chiants pour elle, il me semble, un truc comme ça. La tombe de mes parents. Ouais. Ça, c'est ses parents qui sont morts là. Mon père était distant. D'accord. Je pense qu'il me On en apprend un peu plus sur l'histoire de l'Iris. J'ai pris la fuite pour devenir mercenaire quand j'avais 16 ans. Hein? J'ai jamais revu mon père. D'accord. Il a été assassiné par un vieil ennemi. Écoutez l'histoire. Ah, c'est vous? La sensibilité, elle est énorme. Oh. Saignez, salaud! Saignez comme le monstre que vous êtes! Je crois que j'ai pété la. Le RP là. Mais je vois de l'XP, moi je le tue. Ah, manifestation de regret. Ok, donc ça c'est. Une sorte de souvenir. Allez, dégage. Là, je peux pas le knockback. Armure lourde, armure jusqu'en rang 9. D'accord. Oui. Qui êtes-vous? Pourquoi l'iris marche-t-elle? Faut que j'ai de l'iris, machin. J'étais Gialdeur, le père de l'iris. D'accord. Mon esprit, je ne comprends pas. Elle se reproche. L'iris, c'est vrai mon enfant. Vous avez toujours été si froid. Si distant. Ma mère est morte en me donnant la vie. Oh putain la vache. C'est un sacré machin, toi. L'iris, regarde-moi.
Le sang des géants coule dans mes veines. Ta mère était une nantique. Je lui ai donné ma semence sans jamais penser à sa sécurité. C'est pour cela qu'elle est morte. Pas à cause de toi, mon enfant, mais à cause de moi. Je pensais que vous me reprochiez. Vous ne me regardez jamais, père. Voyons. Lorsque je te regardais, c'est son visage que je voyais. Okay, je l'aimais, mon enfant. Autant que je t'aime. Plus que la vie elle-même. Nous ne pouvons pas changer le passé. Et nous ne devons pas nous y accrocher. Tu ne dois pas laisser ces sentiments te hanter. En gros... Laisse-les s'effacer. Laisse-moi disparaître. Son père voyait que c'était pas forcément sa fille parce qu'elle lui ressemblait pas du tout. Donc c'est un peu une bâtarde, quoi. Quelque sorte. Venez, bah c'est ça même, hein, c'est une bâtarde. Cet endroit est un labyrinthe de désespoir. D'accord. Construit pour augmenter. On s'en passera tes petits commentaires, là, ça va. Hein ? Oh, il y a un cirque. Il y a un cirque. C'est quoi ? Ah, il y a un truc là. Écoutez, oui, j'ai pris une boisson bien quelconque. Ils m'ont pas vu. Genre. Boum. Ça, c'est bien pour tenir à distance, les mecs là. T'as mis l'iris, ça me fait rien. Elle est useless. T'as, on voit rien là, la caméra elle fait n'importe. Tac. Moi j'ai fait une esquive sans vouloir. J'ai pas vu ce qui était amélioré là. Il y a un truc qui a level up, mais j'ai pas vu. Ok. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, on reprend toute son armure en fait. Ok. On va réparer ses... On va récupérer tout son stuff. En fait, c'est un camp de Romains, j'ai l'impression, un truc comme ça. C'est pas un cirque. Ok. Et toi, tu viens là. Vous avez trouvé quelque chose? Je peux pas le croire. Allez, vas-y, équipe-toi, ma belle. Excellent, je suis prête. Nice. Ok. Suivant. Alors, qu'est-ce qui nous attend ici? Attention, vous mettez les pieds. Je tout le temps. Oh putain. Ah, ok, d'accord, il y a un truc qui nous est tombé sur le coin de la gueule. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Juste à attendre que. Ouais, bah, elle fonce dedans aussi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai de la régénération de vie ou quoi? Parce que j'ai l'impression que la. Ma vie elle remonte tout seul. Mais je crois que c'est fait exprès ça. Putain, c'est fait rect là. La Lydia là, l'Iris. Pas Lydia, c'est l'Iris. Est-ce que ça tire jusque là? Non, ça aurait été quand même bien. Oh, allez, vas-y, ça touche. Clac, ça fait quand même mal mon truc hein. Ok, vachement mal. J'ai vu un chemin par là, je vais checker ce qu'il y a, puis on va passer à la salle d'après. Alors, ok, d'accord. Ça, c'est pour les curieux qui veulent voir tous les chemins qu'il y a. Et non, c'est un cul-de-sac. Alors, du coup, la suite. Attends, vraiment, c'est très très. J'aurais dû m'attendre à vous trouver ici. Même de retard. Ne soyez pas idiote, Titan. Je viens vous aider. Votre haine vous empoisonne. Les guerriers sont comme l'acier. Quelqu'un qui perd le fil n'a plus aucun intérêt. M'aider? Vous nous avez tous trahis pour retourner lécher les bottes de Manny Marco avant même que la fumée retombe. J'ai fait le nécessaire. Et en témoignage de bonne volonté, j'apporte un présent. Clair, voilà. Mais attention, Havre Glace ne le laissera pas partir si facilement. C'est... Par les eaux de Shor, mais oui. Vestige, ma grande hache. Sa hache. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un faux chouclan, ça va. Ça, c'est le truc le plus aise à battre. Bon, je pense pas que je puisse le knockback. Non, voilà, ça c'était. Voilà, ça c'est l'attaque la plus simple à esquiver. Il est bien trop lent pour m'attaquer là. Ah, ok, il me saute dessus. Ok. Je me demandais qu'est-ce qu'il était en train de charger. Faut que je baisse le son du jeu, oui, je sais. Il est trop fort. Putain, il est chaud à tuer, dis donc. Hein. Allez, meurs. Réglage.
Audio. Voilà. Nice. La hache de l'iris. Je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez soif du sang d'Edric, ma vieille amie. Attendez, on va faire ça comme ça. Hop. Voilà. Ah, j'ai un mail, tiens, regardez. Ah, attendez. Pour rejoindre, j'ai vu ta vidéo testo, j'aime bien. J'aimerais bien de rejoindre ta guilde. Qui c'est? Il y a 16 minutes. The Phoenix Gaming. Envoyé pour rejoindre ta guilde. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Je sais pas ce qui se passe. Coffre, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pierre de lune. Ah, ça c'est bien, c'est rare ça. Urne. C'est où qu'on va maintenant? Faut que je cause à elle. Ma hache, c'est agréable de la récupérer. Pourquoi elle veut l'aider? Je lui fais pas confiance. Ok. Mieux. Plus qu'elle va mieux. On n'en a pas terminé. On doit continuer. Comment? Faut qu'on continue. Hop. Donc Claude, tu veux l'aider, on sait pas pourquoi. Faut que je tape de l'ordre. Reculez. C'est pas quelques graviers qui vont m'arrêter. Oula, qu'est-ce qu'elle veut faire? D'accord. Ok. Vaut mieux pas la chauffer celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, dis donc, ouais. Tant de bêtes d'Edric et si peu de temps pour les tuer. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Continuons d'avancer. C'est pas très beau, hein. Oh. Bon. C'est chaud quand même quand ils ne voient pas les mobs arriver, hein. Genre, t'as le temps de les prendre en surprise et tout. Ça, c'est relou à tuer ça. Les captifs des morales, je sais pas quoi. Tiens, meurs. Voilà. Il est en train de se régénérer, j'ai bien compris. Hop. Voilà, voilà. Bon, je pense que l'instant c'est presque terminé là. Regardez là, on peut l'attaquer de loin sans qu'il nous voit. Apparemment, j'ai mon arme qui est pétée, regardez en bas. Pourtant, elle fait toujours aussi mal. Regardez, c'est quoi? Ah, est-ce qu'elle est plus enchantée? Si je la recharge, j'ai pas de. Je n'ai pas de pierre d'âme. Quoi? C'est juste qu'elle est plus enchantée, je pensais qu'elle était pétée en fait. Elle sert vraiment à rien, Iris. Hein. En même temps, heureusement, parce que sinon ça serait cheaté, genre un PNJ qui fait tout à ta place. Attendre. Je vais occuper avec quelqu'un d'autre. Merde, hop. J'ai contré son attaque là. Tiens, voilà. Bon, je pense que là c'est la dernière porte. Bien, j'ai pas vu, il y avait une urne. Là, derrière. Oh, la flemme. La flemme, la flemme. C'est des PNJ. Vous avez entendu? On aurait dit. On aurait dit quoi? C'est impossible. Quoi? Ah, qu'est-ce que c'est? Sai, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? L'iris. L'iris. Je vous vois. Est-ce vraiment vous? Sai, c'est moi. On reçoit une sorte de vision de vous. Vous savez où vous êtes? Je ne sais pas. On torture les. Ils veulent l'amulette des rois. Ah, c'est un ancien. Ils veulent que je leur révèle où elle est cachée. Mais je n'ai pas encore rompu. Pas encore. Sai, vous devez vous approcher. On va vous trouver. Je vous le promets. On va vous trouver. On va vous faire sortir de là, Sai. D'accord. Sai? Sai! Non! Rendez-le nous! Oh, l'acteur. Bon bref, on va faire quoi là? C'est quoi ce bruit de grincement là? Faut que je lui parle, non? Il faut que je lui cause. C'était pas un piège, c'était Sai Saan. Sai est un ami. Ouais. Peut-être mon meilleur. On doit en parler avec le prophète. Ouais, bon, ok, faut causer avec le prophète encore une fois. C'est quoi tous ces bruits là? Y'a moyen d'interagir avec ça là? Non? Ok. Y'a aucun moyen. Obligé, ça va faire pop des mobs ça. Plus vite on trouvera la sortie, plus vite. Attends, y'a un coffre là, je m'en fous de toi. C'est quoi? Oh, c'est nul.
Putain, mais j'entends des bruits, mais c'est des. C'est des mecs à moitié morts là. Ça fait mal, ça, je suppose. Oh, c'est juste du décor. Vous savez, il y a des fois, il y a des trucs comme ça. On a l'impression que ça fait mal, des fois, c'est juste du décor. On va être. On va vite fait être mis au courant. Voilà, c'est juste du décor, ok. Ça m'intéresse pas ça. Y'a rien, y'a rien, y'a quoi là? Pierre de lune. La recette. En fait, faudrait, je pense que j'essaie de faire de la bouffe. Ça peut être intéressant. Urne. Ils sont enchaînés entre eux quoi. Alors, y'a des urnes partout là. Grande clé en fer. Crochet. C'est tout? Y'a quoi ici? Ouais, c'est écrit en je sais pas quelle langue là, c'est la langue des anciens, il me semble ça. Bon. J'avais une lettre d'oblivion, je sais pas quoi là. Ok. Y'a des coffres partout! Ah non, ça je m'en fous ça par contre. Stylé! Faut que je prenne un screenshot là pour la miniature. Putain, je vais faire ça, tiens. C'est stylé ici. Toujours ça. Clac. Nickel. C'est ça pour la Mimi. La miniature. Qu'est-ce que c'est? Manifestation de la terreur. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Il attaque mon chien. Il m'attaque ou pas? Parce que j'ai pas l'impression qu'il me fait mal. Il est facile à... Il doit faire mal, mais pour esquiver ses attaques, c'est facile. Hein. Il attaque presque jamais. Ah merde, je suis rentré dedans pour un coup. En fait il fait beaucoup de CC mais il fait pas mal. Attends, j'ai pas maxé ma vie. Je prends aucun dégât. Bon, clairement là il y a trop de bruit. Hein. Réglage audio. Voilà. Même ambiance. Même des dialogues. Mais ça fait des années que je me suis pas senti aussi bien. D'accord. J'ai l'impression de. Oui, oui. Faut retenir voir le. Le prophète. Donc, on a sauvé l'Iris Titan. On en a pris un peu plus. On a vu qu'il y avait. Comment il s'appelait? Un autre membre du groupe des anciens là, qui était emprisonné. Et puis l'autre là qui était du côté des méchants. Hein, clairement. Donc voilà, je pense que au bout d'un moment, il va falloir aller les sauver, même c'est sûr et certain. Observer l'échange. Quoi? Oh non. L'Iris, mon enfant. Tout va bien? Oui, prophète, je vais bien. Le vestige a libéré mon esprit du contrôle des Dédras. Je suis le vestige. Que les divins soient loués. Votre père t'aurait plongé notre monde dans le chaos. Sympa le bâton à travers ils la tête. Capturons plus. Pas vivante, du moins. Prophète, Mani Marco a capturé Saïsaan. Ouais. Il le torture voilà, pour apprendre où se trouve l'amulette des rois. On doit absolument le sauver. Ok. Donc c'est ça et Sarah. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est lui qui est imposé. Vous avez ramené l'Iris. Elle va avoir besoin de temps pour récupérer. On ne quitte pas alors, un tel endroit sans garder des séquelles. Soit on parle de Saïsaran en sachant qu'elle lui a déjà parlé, ou alors on parle de Abutarn, le méchant, là. Enfin, le gars qui est avec les méchants, qui a essayé de nous aider. Donc, on va aider lui. Vraiment? Ouais. Je croyais qu'il s'était clairement aligné avec Mani Marco et son culte du verre. Saïsaran a dit que Mani Marco veut la mener d'arbre. Pourquoi? Comme vous l'avez vu dans mes visions,
La mauvaise utilisation de l'amulette a percé une brèche dans la barrière protège Tamriel des forces de Bouvion. C'est une clé, quoi. Il faut réparer cela. Pour l'instant, vous devez me laisser méditer. Je dois préparer mon esprit pour la recherche de Saïsan. Ouais. Jusque-là, accepté. Ce n'était peut-être que de la simple arrogance. Peut-être que cela faisait partie de son grand projet. Allez comprendre la logique d'un prince des draps. Mais c'est nul, ça. Je vais le vous quand le temps sera. Ouais, bon. Ok. Bon, pas fou le loot, hein. Ça m'intéresse pas des masses. Donc voilà. Allez, on se casse d'ici. Et puis, on va se quitter pour cet épisode. Et la prochaine fois, on va essayer de changer de lieu. Je vais vous montrer sur la map à peu près où est-ce qu'on pourra aller. Alors. Vas-y, charge. Oh, les menus de chargement, c'est horrible. Je pense que je vais encore essayer d'explorer un peu les éboulis finalement, mais bon. Si on veut expérimenter rapidement, il faudrait peut-être changer de lieu. Ouais. Faudrait faire ça. Et si aussi vous voulez jouer avec moi, il faut que vous ayez un perso au même niveau que moi, parce que sinon ça va pas être vraiment marrant, quoi. Et j'ai un autre perso qui est bien plus fort, mais pour la série j'ai utilisé un nouveau truc. Un nouveau compte. Bon, j'ai looté 2-3 trucs sympas. Tac. Du coup, je vais vous montrer où on va aller pour le prochain épisode. Donc là, on est là. On va juste rezoomer vite fait. Ah, on a presque rien exploré en fait. Hein. On a presque rien exploré. Donc je pense que faudrait qu'on. Déjà, qu'on explore un peu plus. Genre là, il y a un donjon là. Là, il y a quoi? Il y a des trucs à aller voir quoi. Faudrait vraiment qu'on explore un peu tout ça. Voilà. Ah, je peux me téléporter là. Deck filante. Eh, je pense parce que c'est avec mon autre perso que je peux faire ça. Mais on va pas s'occuper de cette partie là. Hein. Parce que là-bas je crois que c'est les mecs level je sais pas combien. Ok. Bon bah on va explorer tout ça. Dans le prochain épisode on va essayer d'explorer déjà toute cette partie là. Hein, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Et puis voilà, hein. Je vais essayer d'aller me refaire un peu de stuff, d'aller voir un peu les compétences et puis je vous expliquerai ce que j'ai fait dans le prochain épisode. Allez, c'était Phoenix Gaming, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est Phoenix Gaming, à plus.